Aujourd'hui, pour le tuto tour, je vous enseigne à assembler des objets dans un équilibre impossible, qui semble impossible. C'est un tour de niveau facile. Où je pense que vous, vous allez le réussir assez facilement. Vous aurez besoin d'un marteau, d'une palette à peinture, ça peut aussi être une règle en bois ou même une brosse pour le bain ou pour la douche, n'importe quoi qui a à peu près la même longueur que le marteau et qui est plat. Vous aurez également besoin de deux trois élastiques assez robustes, une ceinture et finalement une cuillère, une cuillère que vous allez devoir spécialement préparer. Vous allez devoir prendre une cuillère de, je dirais de mauvaise qualité, une cuillère que vous allez être capable de déformer en forçant avec vos doigts ou avec des pinces parce que vous allez devoir la déformer d'une façon spécifique pour en faire une cuillère qui ressemble à ça ici. OK donc, c'est une cuillère dont le, le manche, ici, a été plié. Au, le, au centre de son manche, on l'a plié pour, euh, pour avoir un angle d'à peu près 30 degrés. Et le globe, le globe est retourné à 180 degrés. OK? J'ai euh, enseigné comment faire cette cuillère-là dans une autre vidéo. Une autre vidéo de ma chaîne qui s'appelle « Je vous dévoile un de mes secrets ». Ou quelque chose comme ça. C'est sur ma chaîne YouTube. Je l'ai diffusé il y a à peu près deux ans, vous pouvez jeter un coup d'œil à ça. Une fois que vous avez votre cuillère dans cette, de cette forme-là, vous pouvez installer une ceinture dessus comme ça et vous pouvez balancer tout ça sur le bout de votre pouce. Okay? Juste comme ça ici. Donc en général, les gens sont déjà impressionnés par ça. Il euh, faut, faut prendre son temps pour bien balancer euh, le tout pour que ça tienne. Là, j'ai fait un repli dans la ceinture, donc c'est plus difficile, mais... À la base, la démonstration se faisait comme ça. Okay? Donc déjà, ça, en général, ça, ça impressionne les gens. Vous, vous irez voir l'autre vidéo. Mais bref, tout ça pour vous dire qu'une fois que vous avez votre cuillère dans cette, de cette forme-là, vous êtes prêt à commencer le numéro. Vous allez également devoir faire la démonstration près d'un bord de table. Une fois que vous avez ça, vous arrivez avec votre palette à peinture ou votre règle et votre marteau. Vous les placez ensemble et vous les joignez avec vos élastiques que vous placez au bout. Juste comme ça ici, c'est important de les placer à une distance, euh, je dirais peut-être quelques centimètres, presque une dizaine de centimètres euh, du bout du marteau. Une fois que c'est comme ça, vous devriez réussir à balancer ça sur le bout, sur le bout de votre table. Okay? Encore là, ça vous prendra quelques ajustements pour trouver le bon endroit où placer les élastiques, la bonne façon d'assembler euh, tout ça. Mais à un certain point, vous devriez réussir. À balancer le tout pour que ça tienne. Encore là, déjà ça, vous aurez peut-être une réaction auprès de vos spectateurs. Ensuite, vous allez surenchérir, vous sortez votre cuillère, votre ceinture, vous installez la ceinture dans la cuillère, comme c'est ici. Et en principe, vous devriez être capable d'installer ça sur le bout de votre structure, juste comme ça. Vous allez devoir peut-être reculer la palette en bois, comme je viens de le faire, pour vous donner une chance. Et ensuite, comme vous pouvez voir, tout ça devrait tenir un peu comme par magie. On a vraiment l'illusion que ça tient dans un équilibre, euh, un équilibre qui ne se peut pas. Mais tout ça, euh, tout ça est stable grâce à la tenségrité, un phénomène euh, que vous connaissez sûrement déjà si vous suivez un peu ma carrière. Donc euh, voilà, c'est un équilibre qui semble impossible. Si jamais vous avez de la difficulté à faire la cuillère, euh, c'est bien important de la déformer de la bonne façon. Okay, avec l'angle de 30 degrés et le globe à 180 degrés, prenez le temps de bien le faire avec vos doigts ou avec des pinces. Vous pouvez également le faire simplement avec votre pensée. Si vous placez la cuillère sur vos doigts et que vous vous concentrez, le manche de la cuillère devrait se déformer tout doucement, juste comme ça. Et vous pouvez même le faire hop, juste comme ça ici. Comme ça, mais ça, je peux pas vous dire comment. Ciao! Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et euh, n'hésitez pas à me suivre sur mes autres plateformes, vous aurez du contenu encore plus impressionnant. Ciao encore!